Menteur MDR. Ouais, ça marche. Je pense que je mens, oui. Je suis pas né le 23 septembre. C'est my bad. Et c'est pas Chicago qui m'a envoyé le maillot aussi, je pense. C'est fine, hein ? Vérifie sur internet ma date de naissance et tu verras le tweet tout à l'heure où je vais tag Chicago Bulls et Fnatic et... et je serai demain au match. Welcome to Summoner's Rift. C'est le Darius de la game d'avant. Bon, on a l'Urox. Lui, je sais pas qui c'est. Lui, c'est le Darius de la game d'avant. Lui, c'est Blue Like Blue. On l'a eu la fois dernière. Elle a du flash, ouais. Humans, simple, messy, yet exceptional. Minions have spawned. The pattern is clear. Ok. Bon, c'est un des meilleurs Kassa du serve. Pas forcément le meilleur, je pense que Permaban est plus fort que lui. Mais c'est quand même un très bon Kassa. C'est huge. Faut que je fasse gaffe à Vi quand même. Déjà bot, fait 3 camps. Du coup, c'est pas si ouf que ça. En vrai, notre rôle. Ça me fait chier d'avoir pris le kill à la Samira, mais je pense quand même que c'est pas mal de... d'avoir donné le reset. Fine.
To date, none have survived preliminary testing. Pour le coup, le Cassadin a mis des très très bons sidesteps. Hein. Il est 6. J'hésite à faire couronne en vrai encore, mais je pense qu'il faut que je fasse un Zonia cette game. C'est pour ça que j'ai pas fait de tir d'ailleurs. On fait la tour, donc c'est pas mal. Ah. Bon, ça ressemble à un stomp. Elle a pas de R1 là, Kindred. Elle est morte. Et je pense qu'elle peut mourir aussi. Hein. Ok, ça, c'était vraiment du hard trolling de la part de Pyke. Ça, c'est vrai qu'il y avait qu'un shutdown à 150. Je sais pas où elle est la vaille. Clear.
Il est AFK, self-made. Je crois que j'ai cru voir dans le chat qu'Amand dire que c'était self-made la vaille. Pas AFK quand même avec un cassadin. Peut-être tilté, hein, mais... Il a vraiment des bons mouvements, hein. C'est un truc de fou. Je crois qu'il est AFK avec sa vaille. Les gars, j'ai déjà dit plusieurs fois pour le stuff et tout. Enfin, Amand l'a pas mis en épinglé aujourd'hui, mais je suis pas encore sûr de tous les stuff, de machin. Je ferai des tests un peu plus tard aussi, mais en vrai, la tire, ce qui est sûr, c'est que c'est pas un truc qu'il faut faire à tous les, à toutes les games. Il y a une ping qui a été enlevée là, je sais pas si c'est la vaille ou pas. En gros là par exemple, cette game... En fait, genre, de manière générale, je l'ai déjà dit plein de fois, les défensifs sur Vel'Koz sont des mauvais items. Je ne veux pas faire de zone. Il y a quelqu'un qui vient d'enlever la ward, c'était pas la vaille je crois. Mais les défensifs sont des mauvais items sur Vel'Koz. Du coup... Et casse ça d'un TP. Ok, c'est pas Kassadin qui a eu le kill, c'est ok, tire. What? Ils ont FF. Oh bye, merci pour les 10 mois. Tartalum, merci pour les 8 mois. Miatej, merci pour les 16 mois. Du coup, désolé, j'ai pas fini ma phrase. Les défensifs sont des mauvais items sur Vel'Koz. Du coup, avoir un item comme le Séraphin, où tu sites sur la tire pour pouvoir le compléter en quatrième, ça donne beaucoup d'AP. En fait, Vel'Koz a toujours manqué d'un bon sixième item. Et actuellement, je trouve que l'archange le remplit bien cette case, le sixième item. Parce que toutes les games, Shadowflame, Horizon, Rabadon, dans un full stuff Vel'Koz, à toutes les games, ça sera présent. Les bots et le mythique changent en fonction des games. Et du coup, le sixième item, c'est Archange. Il peut être remplacé par un défensif quand c'est nécessaire, contre Zed, contre Qiyana, contre ce genre de match-up, contre Yasuo. Et si tu fais Zhonya, Archange, c'est mauvais. Je pense que ce sera toujours moins bon que Shadowflame ou Horizon, parce que Archange, la seule valeur que ça a, c'est te donner un gros montant d'AP via ton mana et tout, mais ça te demande de compléter une tire qui doit rester dans ton stuff pendant un moment, etc. Et l'archange a cette composante défensive qui te donne un shield qui du coup rend l'item moins fort en termes de stats purs de dégâts qu'un Shadowflame ou un Horizon. Du coup, si tu fais un défensif type Zhonya ou Banshee je le fais jamais, je trouve que c'est juste bad, je pense que l'archange c'est pas à faire. Et là dans cette game, comme j'ai dit, je vais faire Liandry parce que contre leur compo, c'est très très fort. On va jouer front to back toute la game. Bon, là, en l'occurrence, la vaille à AFK, mais voilà. J'aurais fait un Zhonya. Et du coup, comme j'allais faire un Zhonya, je n'allais pas faire de tir en plus, en gros. C'est juste ça. Mais sinon, tir, c'est pas mal. C'est fort sur Vel'Koz.